Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 18 avril 2024. Comment allez-vous ? Bien, j'espère. Alors, avant de commencer, la petite philosophie de ce matin, être son meilleur ami. Chacun a en soi des forces positives et négatives qui le poussent, selon les circonstances, à être son meilleur ami ou son pire ennemi. Il faut savoir se ménager soi-même et devenir son plus solide allié. Cela veut dire ne pas se dévaloriser, se faire confiance, se ménager, identifier et dominer des faiblesses, ne pas être destructeur. Celui qui sait se vaincre lui-même, n'a plus personne à craindre. Belle philosophie, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on est toujours dans la suite de feu. J'ai pigé le 2 de feu. Suite de feu, qu'est-ce que ça parle? Créativité, passion, carrière. Et on peut voir le Z qui est, l'archange Zadkiel, la rectitude de notre Créateur. Si Raziel est le guide spirituel, Zadkiel est le tuteur pédagogique du monde des archanges. Voyez-le comme un stimulant de la mémoire, un peu comme un Jingo Biloba angélique. Si vous devez passer un examen, apprendre de nouvelles choses ou simplement améliorer votre mémoire, appelez ce bel archange Zadkiel qui est associé à cette belle couleur bleu indigo profond. Il peut également aider à pardonner à soi ou aux autres. Vous savez que le pardon, c'est très important, j'en parle souvent, n'est-ce pas? Donc, si vous devez vous pardonner ou pardonner aux autres, faites appel à ce bel archange Zadkiel. En apprenant les spécialités et dons spirituels de ces étonnants archanges, vous pourrez grandement améliorer les effets de vos demandes. C'est comme avec votre ange gardien, n'est-ce pas? Si vous connaissez les qualités, les distorsions, cela vous aidera aussi. Alors, le 2 de feu. Pour certains d'entre vous, tout votre travail commence à porter ses fruits. Et oui, il a fallu du temps. Mais, qui sait attendre, tout vient à point. En fait, c'est le moment de redoubler d'efforts et de passer à la vitesse supérieure, car votre création, votre projet que vous avez mis sur pied, il arrive à terme. Et vous serez peut-être étonné, c'est dans un avenir très 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 proche. Vous avez pris des risques, n'est-ce pas? Il vous a fallu beaucoup de courage. Mais cela vous a réussi. Continuez, n'est-ce pas? Examinez de près ce qui a marché pour vous dans le passé et gardez ces leçons à l'esprit. Le 2 de feu, il vous dit, rêvez grand, vous pouvez. Alors,
Il est aussi possible que pour certains d'entre vous, le développement signifie d'engager un employé dans votre société, d'engager du personnel. Ça peut être aussi nouer un partenariat ou même prendre des cours dans le domaine sur lequel vous travaillez. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas nécessairement d'affaires ou de carrière, mais de tout ce qui vous passionne. Ça, c'est le plus important, n'est-ce pas? C'est une carte qui est excellente. Elle est très enthousiasme pour l'avenir. Vous pourriez avoir des contrats ou des accords commerciaux qui se finalisent. Alors, c'est vraiment une réussite par un travail acharné. Le message d'équilibre de cette carte vous rappelle la puissance que peuvent avoir les personnes issues d'horizons variés qui mettent leur effort en commun. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Le tour de cette carte, vous pourriez avoir une belle relation d'amitié ou une belle relation homosexuelle aussi. Vraiment, c'est vraiment une carte positive. Je termine avec l'affirmation positive. Et aujourd'hui, plus j'apprends à me connaître, plus je me sens bien avec moi-même. Et bien voilà, plus j'apprends à me connaître, plus je me sens bien avec moi-même. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.